Coucou mes petits loups. Alors, vous demandez tout ce qu'il y a sur ma table, ce que c'est, ce que. Et bien, en fait, je me suis aperçue d'une chose. C'est que j'ai créé la carte à BR. Ouais. J'ai jamais fait de tuto. Donc là, aujourd'hui, nous allons créer une carte à BR. Artbook Région. Donc j'ai préparé des petits décos. Du scotch 3D double face, vous voyez, des petits sentiments, des petites photos de ma région. Alors chez nous, nous avons un arbre, le chêne des Nouvilles, qui avant on pouvait rentrer dedans. Je ne sais pas si vous allez bien voir, il est magnifique. Avant, on pouvait le visiter à l'intérieur. Maintenant, c'est interdit. Il commence à être très. Il a plus de 800 ans. Hein. Et on n'a plus le droit. Donc, mon encre. Distress Vintage Photo. J'adore. Des petites pinsouilles. Si j'en ai besoin. Des petits papillons. Des petits oiseaux. Un petit embellissement que Magali m'avait offert. Ah, ça tombait bien. Hop, je couche tout ça. Un petit chachoun. Vous savez, j'adore les chats. Je suis fan de chat. Je pousse tout ça. Je fais de la place. Des petites pépères. Hop. Et nous allons commencer. Et bien sûr, des papiers déco. Petit café pour me réconforter. Alors, pour faire une ABR, il faut. J'ai oublié un truc, j'ai oublié le fond. J'irai chercher après. Non, je vais chercher tout de suite. Je vais chercher tout de suite. Je vous reprends de ce. C'est parti. Et voici le fond. Donc, sur les fonds, il y a région, pays, nom, prénom, adresse de la personne, ce qu'elle aime, les préférences dans le scrap, les couleurs. Les thèmes, ce qu'elle aime. Vous pouvez ajouter votre date de naissance pour recevoir des petits cadeaux de vos petites copinettes scrapeuses et une citation ou proverbe de votre région ou de votre pays. Ça fait découvrir un peu nos régions. Donc, il vous faut un cardstock de 10 par 20. 10 par 20. Moi, je vais coller. Alors, je vais essayer de faire la vidéo entière avec vous. Hein. Mais bon, si elle dure trop, je passerai certains passages. Quoi. Alors, j'encre, hein, mais ça, ce n'est pas une obligation. Hein. Le fond, ou derrière. J'encre. Je collage avec ma. Toujours Patex. Qui, je trouve. Et bien, il paraît que l'eau de colle hein, est bien aussi, je l'ai, hein, j'ai testé, mais je trouve qu'il y a fait des filaments, enfin, je sais pas, ça fait bizarre, je sais pas, peut-être falloir que j'aille rechercher de la colle, oh, c'est pas bien ça, hop, c'est pas bien, j'ai même prévu mon chiffon aujourd'hui, pour vous dire, et hop là, bon moi je l'ai coupé un peu court là, mais bon, on centre et puis voilà quoi. Alors, après le devant, du moment qu'il y a une photo de votre région, de drapeau, de votre gastronomie de chez vous, voilà, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de mettre une photo, il faut que ça soit de votre région. Donc, nous, on est en Seine-Maritime égale plein de, enfin, oui, il y a plein de choses quand même. Dont le fameux chêne des Nouvilles, qui est très beau. Alors, je l'ai visité hein, quand j'étais gamine. On avait le droit encore de monter à l'intérieur. Bon, un par un, parce que les escaliers, je ne sais pas si vous allez les voir sur la photo vintage. Là, vous voyez, les escaliers sont très petits. On monte un par un, il y avait même un petit balcon. On arrivait jusqu'en haut, c'était assez impressionnant. Et juste à côté, il y a une magnifique abbaye.
est superbe. Je l'avais visitée aussi. Je ne sais pas de nos jours là si elle est encore visitable. Mais sur les ABR que j'ai fait un peu Halloween, j'avais mis le château de Robert le Diable qui était visitable maintenant. Non, il est trop en ruine, il n'est plus visitable. Mais retraité et hanté. Alors voici les papiers que j'ai choisis. Sauf que là, je vais faire un fond. Mais je vais le faire en deux parties, mon fond. En deux parties. Donc, pour l'instant, je vais commencer par celui-ci. Hop. Donc déjà, je vais le couper en longueur à 19,5 pour pouvoir me faire un petit bord noir. Bien sûr, je garde la chute. Et là, comme il est très très grand, je vais alors celui-ci je vais le mettre à 6,5, mais l'autre vous allez voir je vais pas le couper voilà 6,5, celui-ci va être ici, mais lui je vais faire autrement, vous allez voir. 19. Voir que celui-ci déjà je vais, alors il fait très automne, hein. J'adore les couleurs, et là celui-ci ben, je vais le déchirer en fait pour faire quelque chose de pas droit. Je regarde si ça passe et ben c'est nickel, regardez. Alors j'encre mes bords, ma petite distress, après vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez faire des patouilles, vous pouvez faire de l'aquarelle, vous pouvez faire plein de décollages, des montages, des tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune obligation sur le devant à part celle de mettre une photo de votre région, c'est la seule obligation que je demande sur les ABR. Et derrière le petit la région bien sûr, qu'on puisse se connaître un peu. C'est vrai qu'on se connaît en tant que scrapeuse, mais on connaît pas nos magnifiques régions. Alors bien sûr ce n'est pas que sur la France, hein. Non, j'ai des amis moi qui sont belges, Espagne, non, il n'y a pas que la France, hein. Le groupe n'est pas fait que pour un groupe France. Non, on fait des échanges un peu partout. Et c'est ce qui est beau dans le scrap d'ailleurs. C'est d'apporter un peu de bonheur à tout le monde, un peu de soi, et puis de se connaître, quoi. C'est vrai qu'on fait de très jolies rencontres avec le scrap. Et je trouve ça magnifique. Alors voyez, vous collez votre, enfin tout au moins moi, je colle mon papier, je colle mon papier déchiré aussi. Wouhou. J'ai oublié un petit truc, je crois, je vais regarder, hop. Je vais voir comment je vais faire. Je ne sais pas encore. En fait, l'inspiration vient en faisant, je trouve. Enfin, tout le monde chez moi. Il y a des fois, j'ai des idées, puis je pars complètement à l'opposé. J'en ai une autre qui arrive. C'est comme ça. Et voilà, mon fond. Très automnal. Très automnal, j'aime beaucoup. Alors là, je vais partir. Je vais commencer par mettre mon bel embellissement. Ah, j'ai mon chat qui veut rentrer. Et bébé, tu sais pousser la fenêtre tout seul, comme un grand. J'ai prévu de la petite ficelle. Hop.
Je vais le mettre tout de suite. Alors moi en général, je fais un petit nœud. Je mets en général un double nœud, même pour que ça tienne bien, mais moi en général ça ne bouge pas du tout. Hop, et je vais le mettre là, de ce côté-là. Donc là, je vais faire le trou avec ma petite pince-ouille. Voilà, j'ai pas de crocodile moi. Donc je trouve que celle-ci va très très bien. Elle fait des trous comme j'en ai besoin. Donc voilà. Hop. Pour être sûr, je fais ça, 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 ça. Hop, vous voyez plus. Je vais essayer de vous recalibrer un petit peu. Voilà. Là, je prends mon petit embellissement, je vais passer la ficelle dans le petit trou-trou. Oup. Zoup. Je laisse quand même une petite longueur parce que je veux qu'il... Voilà. Là, je vais passer mon petit œillet, ou you, dans le petit trou. C'est ce qui va faire tenir notre petite... Je bouge un peu moins, je suis désolée, j'ai eu une infiltration hier. Bon, normalement, d'après ce que m'a dit le médecin, si j'ai mal pendant 3 jours, ça voudra dire que ça règle le souci avec mon bras, mais j'ai moins mal aujourd'hui, j'ai un petit peu mal là parce que j'ai bougé tout à l'heure. Donc, ce qui me fait dire que, bah, malheureusement, c'est toujours pas réglé. Et je ferme mon œil. Ah, peut-être que je pense à acheter une crocodile quand même. Ce serait moins difficile. Allez, et je coupe un peu parce que la ficelle, je trouve que là, c'est un peu long quand même. Et voilà. Et là, on a notre petit embellissement. Bras. Arbre, bras. Alors, je cherche. Eh bien, je vais le mettre en bas. Je vais les mettre comme ça, en quinconce. Ouais, je vais mettre les deux. Oui, je vais mettre les deux. Sauf que là, je vais les mettre avec mon petit scotch double face 3D. La mousse. Entre deux, je suis toujours en train de finir et dès qu'il me reste plus beaucoup de livres là, après je passe à la déco, c'est ce que je vais kiffer le plus et mettre les numéros sur mes livres et je vous ferai une vidéo de mon calendrier de l'Avent en forme de bibliothèque. Ouais, tant qu'à faire, hein, pour le premier, j'ai pas pris le plus petit truc. Bah non. Pourquoi j'ai ça moi? Hop, on va l'enlever. Hein. Je sais pas trop ce que c'est. Hop, on va le mettre de l'autre côté. Hop, je colle mon image. Alors, mes images, moi, parce que bon, on n'a pas toutes des images hein, chez nous, de nos régions, dans nos placards. Je le redis, je le crie haut et fort. Pinterest est notre ami. Et sur ce, je vous assure que Pinterest est notre ami. Parce que bon, des photos d'enfance. J'en ai pas de la visite que j'avais fait du chêne des Nouvilles. Maintenant, enfin nous à l'époque, ils prenaient très 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 peu de photos de nos visites. Maintenant c'est génial parce qu'en fait nous les parents on a des souvenirs parce que les profs prennent des photos et ça je trouve ça trop bien. Mais c'est vrai que nous à notre époque, non, il y avait très très peu de photos à part la photo de classe. Des kermesses, et encore, c'est pareil, ça se perd les kermesses. C'est dommage, on s'amusait bien aux kermesses. Moi, j'aimais bien. Mais maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Plus beaucoup, 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 beaucoup. Et je mets ma deuxième ici. Alors, vous voyez déjà, hein, on pourrait limite s'arrêter là. Limite. Bon, moi, je ne vais pas m'arrêter. Ce que je vais faire, parce que je trouve qu'il bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup comme un embellissement, j'ai détouré
des petites images de papillons vintage. Et j'ai envie d'en mettre un. Alors j'ai une magnifique libellule bleue, mais elle ne va pas aller avec. J'ai ce petit papier. Non, on va prendre celui-là. Il va mieux ressortir. Et je vais le coller là. Et il va maintenir un petit peu mon embellissement, qui pourra toujours, toujours, toujours bouger. Hein. Mais moi. Bébé. Ça a vécu. Hein. Mon chat à la bougette. Et je le colle ici. Hop. Et comme ça, bah, mon embellissement peut toujours bouger, mais pas bioum, bioum. Non. Alors, j'avais pris des petits sentiments. Et j'ai pris chouette moment ce jour-là. Mais en fait, je crois que je vais rester sur ce jour-là. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, parce que moi j'aime bien. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre un petit sentiment. Hein. Moi, je trouve que ça, ça rajoute un petit plus, un petit quelque chose. Je vais le mettre sur fond noir. Je vous ai perdu. Vous avez vu ça un peu. Et je vous replace. Désolée. Je reviens. Nous revoilà, nous revoilà. Je vous ai replacé. Ouais, mon téléphone est carrément tombé. Ah, au passage, j'ai une petite question à vous poser parce que c'est vrai que je fais des vidéos pour l'instant avec mon téléphone. J'ai ma caméra, mais j'arrive pas à trouver de site pour pouvoir me mettre dessus et filmer. Celui que j'avais qui soi-disant était entièrement gratuit, en fait après ils m'ont demandé des sous. Logique, hein, tout à fait logique. Donc bon bah j'ai arrêté. Mais quand je filme avec mon téléphone, je me suis aperçue qu'en fait, voyez, j'ai fait hop mon sentiment ce jour-là. Ça fait des barres noires sur le côté. Quand je filme, et je trouve que bah, ça gâche un peu la vidéo parce que on voit pas tout. Donc, si vous avez un conseil à me donner, un petit, eh ben regardez, je vais le mettre là. Hop, je mets rien droit aujourd'hui, vous avez vu, hein, c'est fait exprès. Hop, voilà. Alors, j'ai plein de petites choses que vous voyez. J'ai des magnifiques petites feuilles. J'en mettrai bien une ici. Là, par contre, il va falloir que je prenne les deux très jolies. C'est Karine qui m'a envoyé ces jolies petites feuilles. Avec ces jolies petites... Je ne vais pas mettre l'écureuil, mais par contre, je vais mettre les jolies feuilles et un joli petit nœud. Ma Karine, gros bisous, merci. Et je vais mettre un joli petit nœud, en fait, juste là, je trouve. Regardez, je glisse une petite partie, je vais mettre le petit nœud juste là. Là, par contre, je vais prendre ma colle scotch que j'ai pas pris normal. Je vous reprends de suite. Me revoilà, me revoilà. Bon, je bois un petit peu de café. Le café, c'est la vie. Je vais coller ma jolie petite feuille. Est très joli, j'aime beaucoup, ça fait très automne en plus, puis ça va très très bien avec ce que je suis en train de faire. Hop, regardez moi ça et le joli petit nœud. Je le colle par là. Et regardez, hop, je le glisse un petit peu. J'y arrivais tout à l'heure, je n'y arrive plus, c'est normal. Il veut plus. C'est pas grave, je vais mettre comme ça. Voilà. On va attendre qu'il sèche maintenant. La colle de scotch, c'est vachement bien, mais elle est longue à sécher, je trouve. Mais elle colle super bien. Qu'est-ce que je vais rajouter? J'avais un petit oiseau aussi. Non.
J'ai un petit chachoune. J'aurais bien mis un petit chachoune, mais comme ceci, juste là, comme ça. Ouais, juste là, le petit chachoune. Bon, en fait, non, je ne vais pas mettre le petit chachoune. Tout compte fait, je ne le mets pas. Par contre, je vais mettre un ou deux petits papillons que j'ai en embellissement. Je vais vous les montrer, ils sont magnifiques. J'aime beaucoup. Vous voyez, ils sont super. Pour décorer, ils sont géniaux. Et franchement, ils sont superbes. J'avais envie de faire sur le thème de l'automne, en fait. J'aime beaucoup, 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 beaucoup cette saison. Je trouve que les couleurs sont magnifiques. C'est vrai, c'est magnifique l'automne. C'est... Oh, il y en a deux. Il y en a un qui s'est caché derrière l'autre. Enfin, devant l'autre. Hop. Et... Hop. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre qu'il sèche. Mon petit nœud, il va sécher. Et j'en... Non, j'en mets pas plus. Je vais... des petites perles comme ça, une petite perle blanche ça va pas le faire, des rouges j'en ai que deux donc ça va pas, non je vais mettre des petits strass verts, un par-ci par-là, c'est parce que vous voyez pas la caméra mais j'ai sur mes papiers il y a des petites paillettes par-ci par-là. J'ai pas noté. Oh, j'ai pas pris mon stylo pour noter. Parce que là, c'est écrit, mais c'est un tout petit, tout petit, tout petit. C'est écrit Notre Normandie. Enfin, je rajoute les Nouvilles. Je vais rajouter. Je vais pas en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais peut-être en mettre une. Ici, voilà. Hop, 3, je trouve que ça va très très bien. Bon, je vais chercher mon stylo et puis je trouve que ma petite carte là, hop, je platis un peu mes papillons et je trouve que ma petite carte là est très 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 bien. Pas besoin de plus, je trouve. Je vais chercher mon petit stylo pour rajouter Hainauville parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je vais chercher. Je suis à vous. Revoilu, revoilu, revoilu. Alors, j'ai pris un feutre vert. Et je vais écrire là. Chêne. Et nous. Ville. En dessous, c'est écrit Notre Normandie. Oh, on va mettre un peu de scintillant. Vous en pensez quoi? Des petites pointes par-ci, par-là, de vert. Hop, vous voyez, des petits. Juste des petits pics par-ci, par-là. Hop, pour dire. Petite touche. Et voilà. Et bien sur ce, mes petits loups, voici mon ABR. Je ne sais pas si vous la voyez bien, bien, bien. Sur ma région, donc le chêne d'Hainauville, Seine-Maritime. Quand tout sera sec, derrière, je viendrai écrire donc ma région, mon pays, et, ainsi de suite. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Après, bon, bah, c'est au goût de chacun, au goût de ce que vous voulez faire. Mais avec quelque chose de notre région. Donc là, en fait, c'est l'automne. Donc j'ai pris le chêne d'Hainauville parce que ça tombait bien. Je voulais vous montrer aussi, j'ai mon amie Josiane, bisous Josiane, qui m'a fait connaître les petits tickets bonheur. Donc, j'en ai offert déjà un. Celui-ci aussi est réservé.
Et en fait, je trouve le principe super chou, apporter un peu de bonheur. Alors déjà, on en apporte avec nos créas, mais ces petits tickets de bonheur à glisser dans les petits envois en supplément de ce que vous faites, je trouve ça trop chou en fait. Donc c'est... Je vous le dis vite fait, il faut absolument crinkler les côtés. C'est un petit ticket que l'on fait avec une petite cartonnette toute fine. Vous savez, c'est les cartons des pâtes, des biscottes, des petits trucs comme ça. C'est 8,8 sur 3,3. Il faut mettre le nom bonheur. Après, vous mettez un petit tampon au choix. Moi, j'ai mis des petites bulles. Un petit tampon. Surtout, il faut le poinçonner. Donc, un petit trou. Et après, vous mettez les décos que vous voulez, quoi. Derrière, vous mettez votre nom, prénom, adresse, date de naissance, si vous avez envie. Et puis, marquez pour t'apporter plein de bonheur. Voilà. Puis, bah, si vous avez une chaîne. Voilà, quoi. Et je trouve ça super chou. Donc, sur le groupe, là, j'ai demandé aux filles si elles voulaient qu'on se fasse des petits échanges de petits tickets de bonheur. Sur ce, mes petits loups, je vais vous laisser. C'est vrai que j'aurais dû la faire avant, le tuto de la carte ABR. J'ai pas pensé. J'ai tête en l'air en ce moment. En ce moment, j'ai un peu de mal. Donc là, bah, c'est fait. Vous avez vu, c'est du vite fait. Hein. Je rappelle les dimensions. Hein. 10 par 20. 10 par 20. La seule obligation devant, c'est de mettre une photo de votre région, soit gastro, enfin, il y a plein, monuments, même vos campagnes, vos forêts, voilà quoi. Il y a plein de choses à mettre. Derrière, bah, écrire région, pays, nom, prénom, adresse, votre date de naissance si vous le désirez. Ce n'est pas une obligation, ce que vous préférez en scrap et surtout le proverbe et citation de votre région ou de votre pays. Voilà, c'est juste pour qu'on se connaisse un petit peu plus, qu'on aille un peu plus loin dans les connaissances, je trouve ça super, puis surtout de nos magnifiques régions à nous, toutes et tous, tout ça, c'est mieux si je parle français, hein? Et puis ben. Voilà quoi. Et puis la boîte que je vous avais fait en tuto, elle rentre nickel. Je l'ai faite exprès hein, pour les ATC, ABC et ABR. Bon, bah, mes petits loups, je vous abandonne. Prochain tuto, qu'est-ce que j'avais dit que je ferais? Je ne sais plus. Bon, bah, déjà, il faut que je fasse le tuto de mes Happy Mail, ce que j'ai fait. Et quand je recevrai, je vous ferai un petit tuto de ce que j'ai reçu. Et puis ben, j'avais une carte aussi à vous faire en tuto, mais je ne m'en rappelle plus. Donc, ça va revenir. Mais là, je vais y aller lentement, mais sûrement. Puis j'ai, oui, ma bibliothèque en calendrier de l'Avent, qui est pour nous personnellement, pour la famille, quoi. Donc, il faut que je la prenne en vidéo quand elle sera totalement finie. Là, je vais refaire un peu de livres ce soir, parce que c'est très long à faire. Et il m'en manque pas beaucoup. Ensuite, je passe à la déco, ce qui va être le moment le plus agréable. Et puis, je vous filme tout ça et je vous la montre. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, mes petits loups, sur ce, si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez-moi un joli petit pouce et abonnez-vous à ma chaîne si cela vous plaît. Je vous fais plein de scrap qui s'ouvrent et je vous dis à très bientôt. Bye bye.